mes parents, ils sont partis ce matin en vacances. Alors pour une fois, personne pourra me dire de ne pas traîner dans la cuisine. Trentenin, bonjour. 12 personnes? Je suis tout seul. Et il y a 12 personnes qui viennent dîner. J'ai regardé les réservations. On est complet, complet. C'est notre premier service. Les enfants aiment les saucisses, non? On n'a pas reçu la livraison, c'est ça? Oui, chef. Mais comment on va faire? C'est la cata. Cherchons une recette plus simple. Moi, ce que j'aime cuisiner, c'est les légumes et les aromates. Super patate! Navette spatiale en orbite. C'est l'histoire d'un petit ogre qui adore la cuisine et surtout qui adore les légumes. C'est aussi un spectacle sur l'imagination où le meilleur ami du petit ogre va devenir son balai et puis son doudou. Il faut croire en son talent. Dans Augustin, pirate des Indes, qui était mon premier spectacle, on faisait découvrir les épices. Et là, on s'attache à faire découvrir aux enfants les aromates. Le néant l'air. On les fait découvrir grâce à des drapeaux qui sont imbibés d'huiles essentielles qui passent au-dessus de la tête des petits spectateurs. Ça sent un peu comme le poulet rôti, non? C'est aussi un spectacle musical où le petit ogre, dans sa cuisine de chef 3 étoiles, va chanter des chansons qu'il chante dans sa cour de récré, va chanter la chanson qui présente le restaurant et le menu du restaurant, et va aussi nous apprendre à la fin la chanson secrète de la saucisse. Rigolo. C'est super, les deux spectacles sont super. Quelle est la chanson que tu as préférée dans le spectacle? La saucisse. Et est-ce que vous avez envie de manger des légumes maintenant? Oui. Les enfants, ils ont adoré, donc pour tous les âges, super. Continuez, faites-en d'autres.